Et information, madame, messieurs. Nouvelle la choc, couvert l'op. Grand point cap domine actualité. Dans le moment ça qui n'a pas parlé là, situation vraiment compliquée en Haïti. Tendez bien, oui? Bagayou vraiment chaotique. Madame, messieurs, nous connaissons bien depuis plusieurs années. Sénèg Axam cap terrorisé population, si tout, dans la zone métropolitaine, capitale pays d'Haïti, Port-au-Prince. Eh bien, dans le moment ça là, nèg prend balle. Nèg bay bal, nèg en bakode. Hey, maman, kanon bonne nouvelle non? La lanchèze, nous pral vide information sou. Madame, monsieur, Nabzou, bienvenue sur plateforme Pola, bienvenue sur plateforme Actualité, plateforme Pépote, Boulet Kano TV. Alors, même qui poko abonné, nap invite, regardez en bas. Ou apon petit bouton en rouge qui marque s'abonner, pesez sous li. Abonnez à la chaîne là. Et dès que vous finissez abonné, activez la cloche notification. Retirez sur option personnalisée, mettez-le sur tout. De façon, pour capable être connecté avec nous, à chaque fois nous postons une nouvelle information. Dans mes vidéos, partagez la plusieurs groupes WhatsApp et Facebook. Dans ce qui traite information, partagez la qui aux familles, aux amis, tout le monde qui vous connaît, depuis que vous pensez, la bénéficier. Madame, monsieur, j'aime toujours faire chaque vidéo nous poster. De pousser haïtien quel que soit côté ou vivre dans le monde ça autant les pays d'Haïti changer autant les pays d'Haïti sortir dans salier là et bien vous avez pour devoir pour aller dans section commentaire taper vive Haïti libération pour Haïti ou même amis qui remet PNH là ou quoi qu'il ca un bon résultat dans moment ça là côté accompagner soldats qui n'y a yo, ou ta vle pour yo bataille contre insécurité ya, ou gen yo sel intérêt, c'est aller dans la section commentaire, tapi, vive, PNH, madame, monsieur. Dans moment ça la même, qui décide pour traquer toute gang en Haïti. Madame, monsieur, nan fon coup de pied dans ni pays ya pour nous voyons un gros coup de chapeau bay, commissaire Jean-Ernest. Muscadet qui a fait un gros bout de ton travail au niveau des départements de plan. Eh bien, c'est tout bon vrai. Ou aimé, commissaire Jean-Ernest Muscadet, qui pas jamais chance à quel que soit bandit qui a quitté respect pour traverser la grande cité là. Eh bien, depuis qu'il est dans NIP, c'est un seul côté pour y aller. C'est à jouer baron. Ou aimé, genre de travail, ça, commissaire à faire. Ou aimé, travail ça, eh bien, pas hésiter. Allez dans la section commentaire. Tapez. Vive commissaire Jean-Ernest Muscadet pour si bon travail ça qu'il a fait au niveau de Miragouane. Madame, monsieur. Eh bien, nous avons là concernant toute actualité pays d'Haïti. L'important en pile pourtant dit. Pas rater mes une seconde. Nous c'est Boulet Kano TV. Mes nouvelles là. En détail. Nous gagnons seulement 8 jours, 14 heures de temps, 28 minutes qui étaient, mesdames et messieurs, pour que nous choisissions un nouveau président. 8 jours seulement qui étaient. Ça veut dire, pendant qu'on a parlé là, vous devez déjà connaître comment vous allez voter. Il n'y a pas sorti de là, pas une question qu'on peut pas voter. Moins d'où ça déjà. Si vous pas voté, ou votez pour ennemi, ou votez pour opposition, ou devez al voter, al exercer droit sa pour rien, quel que soit, j'en consenti ou. Jeudi en ce dimanche, nous pourrons parler des élections, nous pourrons parler des discours, nous pourrons parler de Michel Obama. Mais avant que nous entrions dans tout détail ça yo, bon fait nous mesdames et messieurs, ça qu'a passé là. Élection ça, pas de raison pour te proche comme ça. Pas de raison pour te proche comme ça. Question qu'on a posée, pour qui ça? Est-ce que c'est parce que les États-Unis sont prêts pour une femme présidente?
Parce que ça, mesdames et messieurs, c'est seule raison. C'est seule raison logique. Moi, capable de penser qui fait que l'élection est proche. Peut-être qu'il y a un monde qui sentit dans un moment ça, les États-Unis, pour qu'on prêt pour l'accepter une femme, et spécialement une femme noire comme président. Ça, pour moi-même, il y a plus sens que toute l'autre bagaille qui n'a pas lieu. Comme moi déjà expliqué, mesdames et messieurs, pour moun kap pale de économie pays des États-Unis, ça kap passé là, inflation ou bien manger qui cher, c'est un bagay qui affecte tout pays dans le monde entier. Pandémie qui est passé, mesdames et messieurs, et fait toujours là, toujours. Li crée une situation côté que manger vin cher. Parce que ça, c'est un bagay global qui le déye. Et le n'ap gade économie Joe Biden nan li pas mal malgré ge manje ki cher aussi de bagay ki cher mais économie en lui-même l'ap marché l'ap augmenté les États-Unis nan yon position qui vraiment bon et m'kapab dou mou gen preuve là. Il y a data, il y a évidence qui prouve. Ou pas capable de comparer avec l'économie lorsque Trump a quitté le pouvoir. Donc, moi-même, je me sens en pile monde qui parle ou bien qui parle supporter Trump. Je me sens plus parce qu'il n'a pas parlé idée d'une femme président. Selon moi-même, c'est ça qui est moi. Parce que si nous voulons parler des qualifications entre ces deux candidats, pas de comparaison, mesdames et messieurs. Soyons sérieux. Pas de comparaison du tout. Dans compétence, dans qualification, dans accomplissement, dans moralité, dans tout domaine qu'on est capable d'étudier. C'est la différence qui est entre deux mouns sa yo. Yon son femme, l'autre là c'est un garçon. Mais pas gagner en rien encore qu'on capable comparer avec deux moun sa yo. Gen moun ki di Frère Abner ou gen trop force côté ou démocrate trop. Non. M pa démocrate trop. Mwen gade deux candidats yo. Mwen wè ki sa ke yo proposé. Mwen gade deux partis politiques yo. Mwen wè ki sa ke yo proposé. Et mwen décidé comme yon analyste, mba yon journaliste, gon différence entre les deux. Comme yon analyste qui gen yon plateforme qui est moins contrôlée, pa gen personne qui endosse l, ça fait que nous même pas prendre advertisement dans mes moun. Donc moins décidé pour me supporter candidat que me penser qui n'a avantage intérêt peuple moins pays. C'est possible. Après élection ça, dans la prochaine élection, moi capable changer l'idée, moi adopter un autre candidat. Si que bagay que candidat ça proposé yo, ça qu'il croit yo, ça qu'il remet des sous pied yo, y en a avantage moins, famille moins, pays moins. C'est là que moi moins yé. Moi c'est un analyste. Moi, j'ai une plateforme. Moi, décider qui ça pour me parler sous lit. Est-ce que nous comprenons? Même Jean Fox News, il décidait pour endosser Trump 100% pour propre avantage pas yo. Yo gen droit de faire ça. Moi même tout, moi gen droit comme un citoyen pour utiliser la plateforme moyen pour me parler ça qui me pensait qu'a bon pour moi. Pour pays, pour peuple moins, c'est ça qui me fait. Si je vous donne un exemple très simple, mesdames et messieurs, nous tous connaissons, at least, nous croyons que nous pensons qu'on va le changement de climat. Côté que le monde a bien plus chaud, alors nous ne connaissons pas combien de haïtiens qui croient là-dedans, ou bien combien qui va croire là-dedans. Parce que sous les républicains, ou pas croire dans le climat. Sous pas républicains, ou à quoi la donne.
Mais mesdames et messieurs, là prend un monde vraiment sans compréhension pour pas ta ouais, bon c'est devrait que passer dans monde là qui est étrange. Cyclone vin pi méchant. Vent vin pi méchant. L'an mer a levé pi haut. Lè fini chalet a touye moun tout côté. Te a commencé sécher. Manger pa ka pousser jan ta de pousser. Même dans la mer poisson a mouri. Gon se rete kote gen glace, y a fond. Ça veut dire gen yon bagay ka passe dans la planète là. Changement de climat li son réalité. Pa gen moun bon sens qui ta doué ignorer que changement de climat li son réalité. Malgré mesdames et messieurs, son réalité qui est liée. Majorité républicain pas quoi dans changement de climat. Yo prend yo politiser. Est-ce que nous comprenons? Yo politiser. Seulement 12% républicains. Seulement 12% républicains ou bien moun qui penche républicain. Quoi? Que climat li son priorité? Yo pa quoi là-dedans? Est-ce que nous comprenons? Yon bagay ki nous tout capable wè. Nous capable feel nous sentir nous well, mais yo pa quoi là-dedans. Now bon, pose une question. Pour qui ça va pas quoi là-dedans? Est-ce que c'est parce qu'il va vérité? Non. Scientiste après scientiste mondialement tout côté. Que c'est en Afrique, que c'est en Europe, tout côté prouvé que climat l'a changé et l'a pas affecté la planète là. Et yo déclaré si nous pas changer gens qui nous agi. Si nous pas suspendre foncer de bagaille. Si nous pas suspendre et fouiller terre pour chercher l'huile. Planète là la vie chaud, li capable river dans situation côté que nous pas pas vivre sous lui. Ça lui-même. Ils sont réalité. Mais mesdames et messieurs, moi à peine montrer nous. Majorité républicaine déclaré planète là vraiment vrai, c'est pas son menti que lié, ça qui relé climate change là. Li pas en réalité. Li son hoax. Li pas réel. Candidat ça qui nous le met sous pouvoir. En parlant de Trump, mais ça qu'elle dit de climate change. Li dit que climate change là l'ission hoax. Ça veut dire que li pas en réalité. Son vieux bagage, son parole est pas en pile mais pas vérité. C'est ça que li déclaré. Trump pas quoi non changement de climat parce que majorité républicain pas quoi la donne. Et ben pose une question. Pour qui ça va pas quoi la donne? Est-ce que c'est parce qu'il pas connaît ou bien l'autre raison? Moi toujours dis nous mesdames et messieurs. Lorsque nous est GOP li opposé un bagaille. Le plus souvent li gen pour wè avec l'argent. Raison qui fait moun sa yo pa vle supporter changement de climat. Quand si pa l'accepter que gon problème pour suspendre craser monde là. On nous dit monde là parce que c'est tout le monde qui a puni de bagaille ça. C'est parce que mesdames et messieurs, moun sa yo fait investissement dans l'huile, dans gaz. Dans gaz. Et lorsque n'a parlé pour nous capable travailler pour nous empêcher planète la vienne craser ou bien vienne détruire pour nous capable quitter le petit nous moun sa yo il fait comprendre c'est pas vrai pour qui ça parce que on connaît si on pousse changement de climat si on pousse agenda pour changer situation pour nous aller dans ça qui est l'énergie qui propre et bien business gaz yo ça qui est le fossil fuel là lui-même il pourra le dommager malgré on connaît qui gros problème. Mais regardez d'abord pour dire OK, comment bagay ça pour affecter business moi, investissement mieux, l'huile moi yo. Et au lieu que vous essayez travail pour diminuer effet de changement climat, diminuer l'huile, gaz qui a fouillé en bas terre.
yo di drill baby drill. Et ça que tu me proposer. Drill tout côté. Parce que c'est là l'argent yé. Nous gagnons Stephen Hawking qui était un gros physiciste, monsieur Mouri. Avant de mourir, il déclarait si nous pas contrôler le climat, la terre pourra tourner en boule de feu. Alors, je connais jeudi à ce dimanche, il m'a dit ah, frère Abnel, la terre est détruite anyway, parce que Christ va le venir, il va le mettre l'enfer, là, tout le monde va disparaître. Ok, pas de problème. Mais qu'on y a là, pendant que nous là, on nous campe sur la terre, qu'on y a. Si nous, nous pas chita pour nous gérer, bagay sa yo, nous pap, guion planète, qui nous capable passer pour petit nous. Donc, dans ce sens ça, si nous connaissons ce qu'on s'allie, et moi aussi soucié de la planète là, on pourra le voter, supporter un candidat qui dit on nous travaille avec responsabilité nous pour nous proposer et pousser des lois qui capable transformer pays à un pays qui a des énergies propres pour nous pas trop faut qu'il sous gaz à fouiller l'huile en bas terre afin qu'il capable sauver la planète là. Donc tout bagaille ça yo yo entrer en jeu lorsque me prend en position. Parce que on pas vivre pour toujours, on va mourir. Mais race moi, descendant frère Maxime haïtien ou bien tout le monde qui dans le monde entier a toujours existé. A toujours existé. Donc il est bon pour me laisser monde ça pour yo jouir le tout. Donc c'est ça qui fait que moi-même moi prend des positions qui me prend me dit bon bagaille ça yo important à moi-même. Donc nous doit garder un candidat qui supporte Jean de bagaille ça yo. Deuxièmement, mais un sondage qui paraît mais ça que le dit. Sondage ça sorti dans New York Times. Il déclarait voteur yo, ça veut dire c'est pas le voter yo, américain yo. Yo deeply skeptical, ça veut dire que yo skeptique de santé démocratie américaine. Tenez bien oui. Américain yo pas senti yo à l'aise dans gens démocratie ayé aux États-Unis. Yo déclaré démocratie aux États-Unis qui force côté. Li pas vraiment représenté peuple là et li en bas menace. Trois canon yo dit ça. Three quarters dit démocratie li en bas menace. Li pas bien représenté. En tant que citoyen, nous devons garder qui raison qui fait démocratie à lui-même li en bas attaque. Nous devons garder ce qu'on monde. Est-ce qu'il y a un parti politique? Est-ce qu'il y a un système, un groupe qui voulait détruire la démocratie? Nous comprenons pour un peu le monde. Et nous faisons nos sons haïtiens. Pour qui ça? Ou parler de bagaille ça? Ou bagaille c'est bagaille américain que lié. C'est immigrant qui est venu dans le pays. Il y a sacré les petits sous-sous, vendre le pays ou venir aux États-Unis. Ou c'est mon qui bien imbécile qui existe. Si vous pensez comme ça. Mabdou pour qui ça? Et parce que là, moi, personne ne m'a dit vérité au côté que vous êtes. Si vous pensez comme ça, c'est mon qui bien imbécile. Mabdou pour qui ça? Qui est-ce qui crée les États-Unis? Immigrant. Tout le monde sur la terre, c'est mon vini qui nous est. Tout à l'heure, les mêmes plus loin. C'est immigrants qui créent les États-Unis. Pas de personne qui a mis des droits et c'est pour y lier. Et c'est qu'on sort de penser. Pas de personne. Oui, il y a une majorité blanc. Parce que c'est eux-mêmes qui étaient plus venus. Mais les États-Unis sont un pays qui est créé par des immigrants. Pas de monde aujourd'hui là. Qui sous pouvoir des États-Unis, qui pas descendant d'immigrants. Même Trump nous est là. Maman, papa, c'est immigrant qui est là. Tout net, c'est immigrant. Si vous pensez en cours, pays ça, qu'on l'a dans l'an, quoi jouer dans leur plein, ou pas d'application sur la dan.
Ils avaient que moi-même pas peur pour me parler, j'en parler ya. Parce que me connais côté qui me camper. Et sous pas de mentalité ça, la caillou il t'a changé. Sous pas de mentalité ça, bon me dire encore, sous pas de mentalité ça, la caillou t'a changé. Parce que d'après vous-même, l'on on paye ou jouil, ou manger, ou utiliser les ressources, ce n'est pas un problème pas auquel lié. Mais moi-même, je suis différent de vous. Je suis comme ça. Si je suis pays, je vivre là-dedans. Je suis en paix là-dedans. Je travaille là-dedans. Je suis petit là-dedans. Je dois respecter et travailler pour me supporter et changer le pays. Il y a une façon pour le pays bon pour tout le monde. Parce que mon cap parler des politiques des États-Unis, on parler des politiques des États-Unis. Oh, les États-Unis pas bon ligue politique. On pas faire argument avant ou gain raison. Oui, li pas bon. Mais qui est-ce qui parle changer? Qui est-ce qui parle changer? C'est moun qui dans pays qui parle changer. Mais qui moun qui oyé? C'est immigrant qui vini. Petit tout qui parle rete là. Ko fait ici yo. C'est eux même qui parle changer. Si gon bay ko pa renmen, c'est petit pao, lo fin mouri ki rete ici ki pa change l. Donc, l'état mieux que jodi an la ou commencer aider yo à travail pour changer l, parce que c'est ça que lié. Est-ce qu'on comprend? Mette sentiment de côté. Mette feeling yo de côté. Et pas deux noms dans après l'em, c'est qui sous soum, vend pays, me prend l'argent, c'est là. Je m'en fous. Parce que regardez l'état que nous y est. Regardez l'état pays où y est. Regardez l'état pays mien. Côté monsieur, regardez qui est allié. Si nous tous avons le même esprit ça, pour nous dire ok, mon pays, c'est ça qui me gagne, c'est l'imboual qui est pour petit moins. Donc, m'a fait tout ça capable pour me changer la situation. Moi, je ne peux pas accepter une série de bagailles. Haïti, pas ta protéger là. Mais nous venons ici de Konya là. Pas que mon qui te force ou qui met des armes dans un ou entre ici, ou ap plein, qui a drapé le travail, ou ap travail pour blanc, ou dans soleil, ou dans Fredi. Debout qui te Haïti, ou sont dans misère. Ici, son pays qui est raciste. Mais change-le. Change-le. Sous nos pays, y a un système qu'on parle main. Eh bien, travail pour change-le. Change-le pas empêcher un haïtien. Mais là, faut comprendre, mesdames et messieurs, mentalité sali mérite de changer. Parce que pays a pas pays si pas un peuple là-dedans. Pays a li campé jodi parce que des immigrants vini, là où vini yo gon statut légal, yo rete dans pays a, yo fait petit et petit yo konye la vin pour contrôle pays vin changer. Avec dit que pays a son pays qui bâti par des immigrants. Et ça fait qu'on gagne toute qualité culture dans pays a. Mais si on bagay ko pa renmen, si on système oppressif aux États-Unis. Si les États-Unis sont pays qui marche dans le monde entier, qui détruit l'autre pays. Ce système nan ki doit changer. Et pour le changer, c'est peuple là qui la dan là. Immigrants yo qui vient faire pays, c'est eux même qui doit changer. Bagay sa doit paraître wow, ou pas comprendre, mais soit en très fond ou comprendre ça qui m'abdou là. Parce que, en tant que Haïtien, nous c'est Africain. Yo vend nous dans un bateau, yo vend en Haïti, nous en Haïti, nous travaillons, nous faisons petit, petit, petit. Jusqu'à ce que le peuple ça vienne grandir dans le pays. Ya. Et la liberté, il m'a liberté. Donc, en tant que un monde qui a été pimpé dans l'autre pays, ou bien c'est un immigrant qui est en Haïti. Maintenant, à travers les âges, les temps, c'est ça qu'on connaît. C'est petit à petit esclavio qui l'a aujourd'hui en là. Haïti vient devenu pays yo. Pays natif natal. Mais il t'a commencé avec une immigration. Il t'a commencé avec un monde qui quitte pays par force ou par volonté, calé de l'autre côté. Et c'est même bagaille là qui est aux États-Unis. Monde tout côté sorti pour misère, pour politique, quelque chose à que le déia. Yo vini là et après deux générations petite paio
prend contrôle pays. Est-ce qu'on connaît, mesdames et messieurs, chaque 100 ans, tout le monde mourit? Est-ce qu'on connaît ça? Chaque 100 années, tout le monde mourit. Ça veut dire que le monde qui est aujourd'hui là, tout billion de monde qui vient sur la terre aujourd'hui là, après 100 ans, ils ont tout mouru. Ils disparaissent et ils remplacent par petit yo. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire, si vous pensez le constat, demain, si devenant 100 ans pour venir là, tout le monde qui est aux États-Unis, c'est immigrant, monde, petit immigrant, il y a pied. Ça veut dire que le monde, ça, yo, c'est eux-mêmes qui pourront former pays ça. Jean que le monde pour allier, c'est ça que le monde ça pour le faire. Donc je dis là, ou gain responsabilité en tant que un citoyen qui vit dans un pays co légal, co illégal ou c'est immigrant dans pays a objectif. Sous baron l'autre agenda ou l'autre agenda pour dans son espion courrier ou vient pour craser pays monde, on comprend ça. Mais sous son bon humain objectif ou c'est travail pour kembe ça qui bon dans pays a et changer ça yo qui pas bon. Et l'autre travail comme ça, la bénéficie non seulement tête pao, mais la bénéficie aussi tout l'autre peuple sur la terre qui fait commerce ou bien qui associé avec pays ça. Mesdames et messieurs, sincèrement, matin là, on pas venir pour me parler comme ça. Mais peut-être que j'ai moins esprit prêché. Et parfois, les chit m'a parlé, parole a vini, idée a vini. Et me senti nécessaire pour me partager avec nous-mêmes. Parfois, je fais mon fâché, parfois, je fais mon content. Et je veux voir qu'on est, ce n'est pas des frères ou pour aller plim sous dos. Je ne vais pas faire ça du tout. Mais parfois, pendant ma passe même, plim yo kole nan même les moral les même et puis il plim nan rache. C'est pas moi qui t'ai rache vraiment, et parce que on gom sale sous dos, gom sale la mette même pour dire c'est pas problème de lever ça et puis gom sale la rale plimou. Mais c'est pas raim raim pour ça. Et si ou honnête, m'pa dit tout ça me dit correct 100% parce que me sont humain, mais si ou honnête, mon grand pile bagay qui me dit qui gen sens, et bien jete ça ou pas remé yo. Pour ça qui bon yo appliquer yo. Est-ce que nous comprenons? Élection ça mesdames et messieurs, li proche, mais pas grand monde qui connaît pour qui ça. Et ça qu'on a pensé peut-être, c'est parce que les États-Unis pour qu'on prend pour une femme. Mais qu'on veut le qu'on pas veut le frère Maxime haïtien, le monde a changé. Côté femme t'es autre jour c'est pas là que aujourd'hui là. Jodi an la femme nan li gen droit pour le travail pour le faire cobli. C'est ça qui est le évolution, ba yo vin évoluer. Nan on maison vin gen deux income. Kote que c'est pas seulement garçon qui pote, femme nan pote tout. Femme nan ka vote jodi an la. Nan sens ça li gen droit tout. Et parce que on femme gen en main. Ça va veut dire qu'il va respecter tout comme un garçon. Si son garçon vraiment vrai, si une femme qui sentit à cause de l'île, de ti l'argent que lui gagne, pas respecte ou quitte elle, il pas mériter l'amour. Parce que l'argent, li important, mais il pas ta doué, y a un facteur qui fait fils à respecter ou. Alors, si son garçon sont pas heureux pour le travail, ou pas faire effort, et vous chita la carotte, ou avez domino, ou avez jeu, et vous quittez celui qui pas le travail, à même si normalement, si le respecte, vous avez fait regarder ou. Parce que son vagabond. Mais si vous prenez le travail vraiment, vous faites effort. Fia qu'on vous faites effort. Nous sommes famille. Les papes, j'en de respecte ou, la bon même respect. Les papes, ils ont un bagage pour paix. Donc, les États-Unis doivent changer mentalité ça. Donc, c'est là que nous y est, mesdames et messieurs. Hier, mesdames et messieurs, Michelle Obama, t'es dans Michigan, côté que l'État supporté campagne Kamala Harris. Je regarde en pile discours. Je regarde en pile monde qui supportait Kamala Harris. Mais mesdames et messieurs, Michelle Obama, lisez un canot.
et même capable pour qui raison en plus monde penser faut ta jouer un rôle dans politique. Mais malheureusement Michelle Obama pas rien mais politique. Il te paraît dans Michigan dans Kalamazoo côté que il a parlé pour le montrer pour qui ça pour que pour nous endosser Kamala Harris. Son discours qui long. Bon courage nous. Allez sous suspend nous ka watch tout full discours. Avec qui électricité, qui force que Michelle Obama te endossé Kamala Harris. À nous écouter. Who is ready to elect the next president of the United States, Kamala Harris? Force audience là qu'a bad bravo boli. Il a commencé pour dire nous besoin nous toutes dans moment ça. We need all of you because right now as you know this race is close. It's too close for my liking. And I came out here to Michigan because I am someone who takes her own advice to heart. I know that if we want to help this country finally turn the page on the politics of hatred and division, we can't just sit around and complain. No, we've got to do something. If we want to usher in the next generation of American leadership, we have got to do something. If we want to elect someone with a character that is worthy of the Oval Office, someone with the strength of heart to guide our country to a better day, we have got to what? Mesdames et messieurs, comme attendez, électricité, force là, enthousiasme là, et l'amour qui entourait Michelle Obama. Il y déclarait élection ça arrive vraiment proche. Avec dit que deux candidats ça yo, Trump avec Kamala Harris, yo coup à coup. Et à cause de bagay ça, li mandé nous pas capable chita. Nous pas capable dormir. We need to do something. Avec dit que fait un bagay. C'est responsabilité chaque grain monde qui sont américains qui ont carte de vote pour y aller faire un bagay. Si ou quoi que vous faites partie d'un pays qui gon futur et pays ça lui-même li gon force extraordinaire bagay qu'il fait li affecter l'autre pays et l'autre monde, you need to do something. C'est pas question de pays qui compte pays, non. Côté courrier responsabilité pas. You need to do something pour génération pour l'avenir. Et lui explique qu'il y a seulement un candidat dans l'élection ça qui est capable de faire un changement et qui gagne des lois qui bien établies, qui articulées, qui expliquées. Parce que mesdames et messieurs, pendant que nous avons demandé pour Kamala Harris articuler ça pour le faire, point par point, il n'y a pas de monde qui care de ça Trump pour le présenter. Pas de monde qui garde qui ça Trump pour présenter. Exception, immigration, côté qu'il dit qu'il peut déchouquer moun, ou bien ça qu'il peut faire dans le pays, as far as changer démocratie. Pas grand rien encore, il fait promesse qu'il peut changer le pays, l'argent peut tomber, mais il ne peut pas expliquer qu'il peut faire et tout le monde accepte ça. Mais pour Kamala, non. Kamala doit expliquer, point par point, ça qu'il peut faire. Et c'est ça qui est le double standard. Et Michel, t'a expliqué, c'est celle Kamala qui détaillait de ça qu'elle va le faire. Kamala is the only candidate in this race who has outlined a clear set of policies, including focusing on lowering costs and reducing drug prices for all Americans. Giving tax credits to first-time homebuyers, folks starting small businesses and working families raising our kids. Let me tell you, it is a remarkable plan.
And these remarkable last few months mirror the way Kamala has handled herself her entire life. Après ça, mesdames et messieurs, je pose une question pour moun qui a publié des mensonges qui n'ont pas connu qui est Kamala lui-même lié. Michel te parle comme ça. So Michigan, do not buy into the lie that we do not know who Kamala is or what she stands for. This is someone who understands you, all of you, someone from a middle class family raised mostly by her mom, like so many of us, leaning on her neighbors like we all do. That's what you want in a president, someone who gets you and will have your back. Take it from me. And I know good people. Kamala Harris is an extraordinary human being. She is an extraordinary candidate. And she will be an extraordinary president of the United States of America. Mark my words. Because I don't lie. Mesdames et messieurs, li articulé qui est Kamala ye. Pour moun ki di yo pa konnen ki sa ke liye. Li son femme ki fèt nan yon klas moyenne, tankou majorité moun aux États-Unis. Li pa fèt avec richesse. La l'école la pointe par an level et l'el vin grand. Li pran konnesans li et la ville pou servi peyi a. Toute la ville, c'est ça qu'il a fait. Mais ki sa Trump fait? Trump li pran million de dollars nan men papal. Pour faire business, acheter caille, foncer des ventes caille, puis faire discrimination. C'est ça qu'elle fait. Donc, il y a une différence entre les deux. Et après ça, Michel vient poser une question. Pour qui ça même, l'élection s'approche, question qu'il nous a posée. Parce que l'élection n'est pas ta supposée proche, mais quand même, les proches. Il pose une question. Pour qui ça, l'élection ça lui-même, les proches comme ça. So, Michigan, with all that being said, I gotta ask myself, well, why on earth is this race even close? I lay awake at night wondering what in the world is going on. And it's clear to me that the question isn't whether Kamala is ready for this moment, because by every measure, she has demonstrated that she's ready. The real question is, as a country, are we ready for this moment? To get her across the finish line, or are we going to let ourselves get distracted and fall for the scam? Are we going to lose sight of the dire consequences if we come up short? Ça va dire, mesdames et messieurs, même bagaille nous dit nous là. Comment le fait possible que Kamala Harris avec Donald Trump dans la même ligue? Il n'y a pas de sens du tout. Et pour la première fois, je regarde dans le visage Michelle Obama. Je vois une inquiétude. Côté que, il y a une possibilité. Trump capable de gagner l'élection. Et là, il gagne. Ce n'est pas parce qu'il y a un bagage qui est bon passer ça. Mais c'est parce que, en plus, le monde garde Kamala comme une femme. Garde Kamala comme une femme noire et accepter pour yo marcher avec Trump qui sont garçons parce qu'il y a plus confiance dans monsieur. Et qu'on y a là, c'est là Michel Poil dit on pas confortable. On nous écoute. And right now folks, I have to be honest, I'm not completely sure of the answers to those questions. Y'all give me great comfort in this arena. But this is a big country. And that's why all of my hope about Kamala is also accompanied by some genuine fear. Fear for our country. Fear for our children. Fear for what is coming our way if we forget the stakes in this election. And y'all, that's why I'm here today. And y'all know I hate politics. But
see folks taken advantage of even more. So I wanted to do everything in my power to remind the country that I love that there's too much we stand to lose if we get this one wrong. I'm deeply concerned, and I'm talking to everybody out there, that too many of us are still confused and buying into the lies and distortions from people who do not have our best interest at heart. Mesdames et messieurs, c'est ça qui me blesse pico là. Parce que élection ça a des conséquences. Et moun nou mette sous pouvoir, li pou affecter tout le monde. Et pas un seul monde. Ou on a regardé Trump, ou pensez c'est plaisir l'a fait, mais Trump pas plaisanté. Trump sérieux. Parce que même les Trump pas ta vle li gen derrière, li des moun qui vle pour lui accomplir bagay ki li pou le faire. Donc, est-ce que raison qui faut pas vle voter pour une femme non? Li pi important que toute vie bagay ki li ka fait pour pays. Ça c'est vous même qui pouvez décider ça. Et vous continuez dans pile bagay de Kamala Harris. Et Michelle Obama t'a expliqué bagay ça yo. So, I want to address some of these concerns head on. Because when you lay out the options, this choice isn't even close. But whether it's online or in the media or in our social circles, there are folks who say they're not sure about Kamala. They accuse her of not providing enough policy detail. Some wonder, do we really know her? Is she too aggressive? Is she not aggressive enough? There are folks sowing seeds of doubt about whether she's who she appears to be. Now, don't get me wrong. Voters have every right to ask hard questions of any candidate seeking office. But can someone tell me why we are once again holding Kamala to a higher standard than her opponent? Toute qualité question à poser de lui. Il y a un monde qui travaille pour le gouvernement des États-Unis depuis toute la ville, des années, toute la ville. Il y a un sénateur des États-Unis. Il y a un vice-président des États-Unis. Je dis à mon ami Baron qui est ce qu'il est. Non, il connaît bien qui est ce qu'il est. Ils sont femmes. Et ils ont utilisé Bagaza comme excuse pour aller voter pour The Orange Man. Mais ils connaissent très bien qui ça qu'il est. Et ils demandent pour qui ça? Que nous demandons tout Bagaza à la Kaili. Tandis que nous ne demandons même Bagaza à la Kaili Trump. Et Michel déclaré, mais ça que vous espérez de Kamala Harris. We expect her to be intelligent and articulate, to have a clear set of policies, to never show too much anger, to prove time and a time again that she belongs. But for Trump, we expect nothing at all. No understanding of policy, no ability to put together a coherent argument, no honesty, no decency, no morals. Instead, too many people are willing to write off his childish, mean-spirited antics by saying, well, Trump's just being Trump. Rather than question his horrible behavior, some folks think he's funny. And if you remember, that's exactly how he got elected the first time. Folks gave him a pass and rolled the dice, betting that he couldn't possibly be that bad. And then there were those folks who didn't think it really mattered who the president was, if you can believe that. And still others who thought it'd be a good idea just to blow up our entire democracy. Mesdames et messieurs, tendez Jean que Michel a articulé situation élection ça vraiment intéressant. Vraiment, il n'y a pas espéré en rien de Trump. Rien du tout. Et dit qu'il y a dit, ah, Trump is being Trump. So, même là, il n'a pas parlé, même là, il n'a pas dit ça, il ne peut pas le faire. Nous faisons confiance, il ne peut pas le faire.
Même là elle pas dit comment elle va le faire, nous pas un problème. Mais lui-même, dame ça, lui devant nous tout ça qu'elle va le faire, qui qu'elle va le faire, mais nous pour prendre chance. Tant qu'on joue à zo avec Trump. C'est la raison qui nous cache, mesdames et messieurs, parce que Kamala son femme, Trump son garçon. Pas une autre raison encore. Parce qu'il n'y a pas basé sur la réalité. Et Michelle Obama allait plus loin pour articuler incompétence, désordre et chaos qui te gagné sous l'administration Trump. Et lui aussi fait nous songer que l'économie que Trump te gagné dans l'ancien si Maril qui te baille Trump. Li. Même plan pour COVID, Obama te baille Trump un plan de COVID et Trump complètement ignoré parce que c'est Obama qui te baille. On nous écoute. Let us not forget how badly that worked out for all of us. Let us not forget the incompetence and the corruption, the chaos that was the cornerstone of his entire 4 years in office. Let's start with the pandemic. Remember how woefully unprepared he was, how he was sowing seeds of fear and confusion, endangering lives with his lies and ignorance. Denigrating the doctors and scientists trying to help us. You want to talk about plans? Well, my husband left him a very detailed pandemic plan. And you know what he did? He ignored it. He had no clue how to get us out of that crisis. No ability to bring back the millions of jobs we lost so suddenly. No idea how to get our students back into school safely. No attempt to help stem the epidemic of loneliness and isolation that too many of our young people are still dealing with. And his failures had real costs. America lost 7 million more jobs during the COVID downturn than the European Union. Among wealthy nations, the United States had one of the highest COVID death rates. Again, all of this occurred with Trump in charge. And sadly, this was just the tragic exclamation point on his disastrous presidency. Mesdames et messieurs, on peut aller camper là. Moi, je voulais pour nous aller garder tout discours. Voilà. C'est comme ça, information a été. Merci à vous-même qui avez pris le soin pour garder toute vidéo. Pas oublier, quittez avis par ou dans la section commentaire. Je suis content de répondre. Si vous êtes déjà abonné avec Boulette Kano TV, nous disons merci. Et si vous pouvez faire, faites-le pour nous. De manière à ce que vous puissiez être informé de toutes les dernières informations que nous avons postées sur la chaîne là. Nous c'est Boulette Kano TV, restez connectés pour une prochaine vidéo. Bye bye.